Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi écoutez, ça va super, on se retrouve pour l'épisode numéro 19, et oui presque 20, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Écoutez les amis, c'est parti, on était arrivé au paradis des baies, et oui, le paradis des baies les amis, il y en avait partout. Et moi qui adore les baies, franchement ça m'a fait super plaisir. Donc écoutez, on va en ramasser encore quelques-unes, et puis après on va avancer dans le jeu. Pomme rose. Ouh, pour ceux qui connaissent le pomme roll, c'est un excellent cru. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir dit dans l'ancien épisode du Let's Play d'avoir dit vos classes, ça m'a fait super plaisir. On avait peut-être une trentaine de personnes qui m'ont dit, donc ça fait super plaisir. Peut-être moins, je sais pas, mais en tout cas merci. J'ai vu du CM1, du CM2, j'ai vu du 6ème, j'ai vu peut-être une seconde. Ouais, ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Parma. Écoutez les amis, ça fait super plaisir de commencer l'épisode comme ça. On ramasse des petites bons, c'est vraiment plaisir. Bon après je sais pas du tout, faut aller, hein. Alors là. Non mais sans déconner, je sais pas du tout où aller, donc bah j'espère que... Ah si, bah si. Bah si, bien sûr que je sais. Bah oui. En fait, j'ai fait un aller-retour pour rien, mais personne m'a rien dit. Hein. Non, personne m'a rien dit. Hein. Donc j'espère que je vais pouvoir utiliser vol. Oh, normalement, ça devrait se faire. Hein. Je vais retourner à l'endroit où il y avait les Whelmer, à mon avis. C'est là-bas qu'il faut aller. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Heureusement que ça me revient. Bé papaya. Petite papaya. Ouais, ouais. Écoutez, j'ai peut-être allumé cette lumière. Oh là là, non, je vais laisser comme ça, c'est mieux. Alors, Go Wav. On dirait un nom de Pokémon. Go Wav. Mago. Ouais, ok. Ouais, donc les amis, j'essaie de toujours maintenant ce let's play de. Ce rythme de ouverture, let's play ouverture, enfin, vous me comprenez. C'est très compliqué, c'est très compliqué, effectivement. Manque de temps, la fatigue, parce qu'il y a une nouvelle an et tout, on s'est tous couché tard, la rentrée scolaire. Voilà, c'est pas facile. La semaine prochaine, je suis en examen, donc bon, c'est pas un truc de ouf, hein, je suis en première année, c'est mon premier semestre. J'aurai 2 heures d'examen par jour. Alors, je pense que ça va le faire, hein. J'espère que ça va le faire, parce que je peux pas me permettre de me louper. Pour certaines raisons, peut-être qu'un jour je vous le dirai, je sais pas pourquoi, mais je peux pas me permettre de me louper mes études. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie comme ça, je sais pas. Donc les amis, oh il reste encore quelques baies, puis après on va soit utiliser vol, je l'espère, ou soit on se tape tout le chemin. Mais j'ai pas envie de me faire ce chemin les amis, ça ne va pas être possible. Donc, ok, Bekebia. Bah, faudra forcément le faire, je pense que soit je fais une... Comment on appelle ça déjà? Oh là là, Bejuka. Comment on appelle ça déjà? Ouais, on... Oh là là, vous savez quand on fait le chemin et qu'on vous montrait pas le chemin, une éclipse, on va dire une éclipse, hein, voilà. Béiapap. Bah, écoutez les amis, ça fait franchement plaisir. Donc peut-être que plus tard dans le jeu, je reviendrai pour replanter des baies. Voilà. Donc écoutez, hop. Bépanga. Oh le panga, c'est un poisson qui se nourrit là, je sais pas où, en Taïwan. Oh là là. Parc. Ne mangez surtout pas de panga les amis, même si c'est très bon, faut pas en manger. Ok, Bécharty. Mais écoutez les amis, on va partir de ce magnifique endroit. C'est un endroit très paisible, très beau. Mais écoutez, tout a une fin. Donc voilà, n'oubliez pas, David Lafarge Gaming a été créé. Vous êtes déjà plus de 1100 dessus, ça fait extrêmement plaisir les amis. J'étais surpris le nombre d'abonnés. Bah 1000 abonnés en 3 jours, ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie. Là, après le let's play, je vais chercher je vais acheter l'objet pour record la Wii U. Et puis les amis, la première vidéo devrait arriver dans pas très longtemps. Voilà. Donc écoutez, et bah les amis, on va finir la route comme ça, puis après je vais utiliser vol. Oh, une petite Pokéball. Elle était cachée. Ouais, oh, j'étais obligé de la faire les amis, hein, c'est pas grave, hein, j'étais obligé de la faire, hein, c'est pas si grave que ça. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit toi, route 120, oh route 118, et mais attendez, c'est pas là-bas qu'il y a notre petit caravana? Oh, attendez, où sommes-nous là? Où sommes-nous? Parce que là, ça commence déjà à être Bagdad ici. Donc, attendez, est-ce que... Ouais, non, on veut utiliser Pokémon. Attendez. Alors, j'ai besoin de monter sur toi pour voler, capacité vol. Donc, est-ce que je me mets... Bah, je me mets ici, hein. Bah ouais, voilà. Au calme. Puis peut-être qu'après, si on a le temps, on ira chercher une petite Carvana, les amis. Carvana. Je te mange les pieds, parce que je suis un Carvana. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, où était le chemin pour descendre, déjà?
Alors attendez, j'ai envie de tester un truc aussi, on m'avait dit. Alors les amis, franchement, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des dieux. Vous êtes des dieux, clairement je vous le dis. Hein. Vous êtes des dieux. Hein. Il n'y a pas 500 façons. Vous avez réussi à me dire comment on faisait ça. J'avais complètement zappé et à chaque fois je n'y arrivais pas quoi. Donc il y a toujours les Walmer. What? Bon bah on va aller là-bas. Hein. J'espère que c'est là-bas quand même. Hein. Non, c'est pas là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Hello? Notre Pokémon, tiens. Je vais mettre un autre Pokémon devant. On va se mettre... Oh non, je sais pas. Je sais pas. Bon, alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, la Team Magma? Si tu cherches le boss, il est pas là, il est parti. Chourer un sous-marin. Comment ça? Où ça? Comme si j'allais lâcher une info aussi cruciale. Hein? What? Ah, voilà, 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 voilà. Mais on a bien fait de revenir ici parce que les amis, j'étais complètement dupé. Complètement. Mais en tout cas, voilà, il est parti à Poivre Sel, les amis. Donc on va se rendre à Poivre Sel. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Poivre Sel. Ça fait un petit moment quand même. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait plaisir. Donc écoutez les amis, c'est parti. On va utiliser Air Company, capacité vol. Ok. On va vers Poivre Sel. Poivre Sel, c'est pas cette petite ville ici? Non, ça c'est Lavandia. Poivre Sel, ok. Et pim. Imaginez le mec qui vole sur un Osferalti. Tu pèses. Le mec il pèse 90 kg sur un Osferalti de 4 kg qui se vole. Tic, 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 tic. Où ils sont partis ces abrutis de la team Aqua Magma. Team Magma. Ouais, donc. Ah, sinon ils sont pas. Non, mais ils sont pas partis sur la plage, attendez. Non. Je pense qu'ils sont partis dans un truc de construction, un truc comme ça. On va utiliser le vélo quand même, hein. Donc je suis super content que le display, vous l'adorez toujours autant. Mais écoutez, moi ça me fait super plaisir, je dis ça à chaque épisode parce que bon voilà, je sais pas. Mais voilà, ça fait tellement plaisir de savoir ce qu'on fait, enfin, de savoir ce qu'on fait, qui est, enfin voilà, vous m'avez compris la phrase que je voulais dire. Enfin bref, voilà. Donc, Dankazias, c'est pas à droite là? Alors, qu'est-ce que tu dis Rambo? Salut, monsieur Marco nous a rejoint pour nous apporter son aide. Grâce à l'expérience célèbre navigateur, l'ensemble du ferry progresse à grands pas. Très intéressant. Très très intéressant. Mais où je dois aller? Oh, bah ça serait... Hello? Toi dis-moi, tu es un aventurier, t'es déjà allé à l'Amandia CA, cette grosse installation sur le chenal 108? Non. Ah bon? C'est surprenant, ton aventurier qui se respecte, tout aventurier qui se respecte se doit éviter cet endroit incroyable. Ok, donc les amis, voilà, bon bah grâce à lui on sait où faut aller. Ouais, ça paraissait un petit peu évident, mais bon. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, aller chez la vitre, là? C'est étrange qu'un bateau fait d'acier puisse flotter, non? C'est dû à ce qu'on appelle le principe de flottabilité. Voilà, il a dit ça, ouais! Non, c'est parce qu'il vole, non, mais sans déconner, quoi. Donc, voilà, bon, bah, attends, je sais où faut aller. Ça fait super plaisir. J'étais un peu dupé, une nouvelle fois. Écoutez, les amis, hein, normal, hein. Je me spoil pas, donc... Spoil. Alors. Ça, c'est la fameuse... C'est la fameuse plage, on avait petit une soda cool et tout, là je m'en rappelle. J'avais bien aimé... Attendez. Attendez les amis, parce que là je vois le trait sur la carte. Mais comment je vais à cet endroit-là? Alors... Mais what? Oh là là, mais quelle galère! C'est la galère, les amis. Bon, bah, c'est là. D'accord. Ok, super. En effet, j'ai donc la ferme intention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, capitaine. Merci encore de nous avoir accordé un peu de temps précieux. Un peu de votre temps précieux. Au plaisir pour discuter de nouvelles découvertes. C'est la télé. Ouh là là. C'est la première fois qu'on m'interview. Quel stress, mes aïeux. Et moi, je me fais avec mon petit vélo comme ça. Oh, c'est toi, écoute-moi. Tu ne vas pas en revenir. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Ce lieu s'appelle la caverne fond de mer sur le chenal 128.
Oh, Capitaine Poop, je suppose. La grande et glorieuse Team Magma va prendre le contrôle de sous-marin, de votre sous-marin. Toute résistance est inutile. Votre vaisseau va être l'élément clé du prochain grand développement qui attend l'humanité. Vous pouvez vous en réjouir. Oh, oh, oh. Lugia, 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 pour ceux qui auront compris. Tout le monde se retourne, tac, tac, tac. Ça me fait penser à Pokémon Donjon Mystère. Vous avez entendu? On aurait dit que quelqu'un avait un mégaphone. Ça venait d'où? C'est bien de l'embarcadère. Le sous-marin. Il essaie de s'en séparer. Je t'en prie, viens avec moi. Non, moi je me barre. Moi je me barre. Clairement. Je te le dis. J'ai pas envie de venir avec toi. C'est bon le jeu de travers là. EG était penché par là. C'est vrai, il est encore penché, j'ai l'impression. What the fuck? Ce sont eux. Ce sont les types qui ont tenté de voler le pack d'Evon au musée. Il reste encore au pack d'Evon lui. Hein. Nous, on est beaucoup plus loin. Nous, avec les grottes avec les Wellmer. C'est bien courageux de nous avoir poursuivis depuis le mont et Memoria. Tu as toute l'admiration de Max, son serviteur. Ceci étant dit, personne ne peut nous arrêter à présent. Une fois que nous aurons customisé ce sous-marin, nous n'aurons plus qu'à nous frayer un passage jusqu'à la caverne fond de mer où sommeille le Pokémon. Nous entrons enfin dans la phase finale de notre plan d'évolution de l'espèce humaine. Moi, mais si tu veux quand même continuer à nous mettre les bâtons dans les roues, je ne t'empêcherai pas. Ose donc venir nous défier dans notre planque de Nénucric. À Nénucric. Sur ce, adieu, Kelvin. À votre service, maître. Vous deux. Occupez-vous de notre invité pendant que le maître et moi allons préparer le sous-marin. Notre planque à Nénucric. Mais sans déconner, à chaque fois ils disent le lieu où ils sont, c'est pas crédible. Tu vois les... Vous imaginez les mafias comme ça italiens qui disent « Écoute, Giorgio, tu ne nous trouveras jamais. Mais tu peux nous trouver quand même à notre planque qui est située 13 rue Avenue des Spaghetti. » Imagine le gars qui dit ça, il n'y a plus de crédibilité, il dit toujours le lieu où il est. C'est nul. Ne crois pas que ce soit seulement là pour te faire perdre du temps, je compte bien me marrer aussi. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Alors pendant que je vais combattre ces gens-là, lui il va construire son sous-marin à côté. Alors ça dure à peu près une minute le combat, on va voir ce que ça va donner. Non mais sans déconner quoi. Ouh un gradin. Flamenco. Bras et galets. Ok. Mais écoutez, de toute façon les amis, on va pas lui faire de cadeau. Regardez comment ça va se passer. On va commencer par méga évoluer. Voilà. Bim. J'aurais dû aller soigner mon Pokémon, tiens. C'est pas grave. Allez. Bim, voilà. Et après on va faire un petit coup de nitro charge. Et voilà. C'est presque fini. C'est tellement rapide. Hop, alors. Effet stylé 7 sur 10. Efficacité 0,5 sur 10. Non, franchement, c'était nul. Gradiena, là, sans le coup, tu m'as un petit peu déçu. Là, ça serait pas mal qu'il fasse un méga Gradiena. Peut-être. Sinon, ça n'existe pas, méga Gradiena. Mais pourquoi pas, écoutez. De toute façon, au point où on en est, il va y avoir des méga pour tout, je pense. Hein. Même des méga potions, des méga Pokéballs. Qu'est-ce qu'on se marre? Ouais, bah non. Franchement, je me marre vraiment pas avec lui, hein, sans déconner. Hein. Allez. Oui, je sais, j'ai une manière particulière de me marrer. Allons, bon. Est-ce le travail d'un sbire d'élite de la Team Magma, tel que moi, de m'occuper de ce sous-fifre de ton genre? What the fuck? Mes amis, j'ai une coiffure bizarre aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai fait. Allez, deux Poké, un Chamallow. Alors, Chamallow, comment on va te battre? Bonne petite question. Il faut vraiment que j'ai chopé le Carvana après, les amis, parce que là, quitte à... Moi, j'avais envie de changer un petit peu mon équipe, mais bon, je sais pas, je me suis attaché à mes Pokémon. Oh la vache. Ok, on a pas du tout peiné. C'est super efficace, je me suis attaché à mes Pokémon, mais bon, j'aurais bien voulu avoir un petit Galeking, vous savez, la base. J'adore Galeking. Galeking, ah là là, ça me tente, hein. Mais bon, on va avoir Metallo Shiny. Bah, voilà quoi, mais bon. Puis Pika surpris, peut-être un LX Print à la place. Parce que bon, voilà, j'ai jamais eu de Pika dans mon équipe comme ça. Mais bon, après, il faut bien une première fois à tout, hein, bien sûr, mais voilà. Je m'en sers pas beaucoup. Moi, je pense que je vais le remanier ses attaques quand même. Hein. J'ai envie de lui foutre un petit Fatal Foot si je le trouve ou s'il va l'apprendre. Tonnerre, peut-être apprendre des capacités, comment vous dire, un peu parallèles, mais d'autres types si c'est possible. Parce que bon, voilà quoi. J'ai pas envie de galérer à la ligue ou je sais pas quoi. Apparemment, ce qu'on m'a dit de la ligue est très dur. Bon, j'y crois moyennement parce que puisque le jeu est hyper facile. Mais bon, c'est possible, les amis. Hein. Bien sûr, moi je vous crois. Hein. Mais voilà quoi. Bon, j'espère que le son du jeu est nickel. Normalement, ça devrait être good. Ok, coup critique. On est trop fort, les amis. On est trop fort.
Ok, mais ça XP bien en plus. Mettons dans ton niveau 42. Mais on a bientôt notre métallo shiny. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? On gagne 1360 Pokédollars. Allez. Baliverne, comme j'ai pu échouer, moi, sbire d'élite de la team Magma. Mission accomplie en tout cas. Retourne vite à la planque avec Zod pour achever les modifications de sous-marin. Oui, je suis curieux de voir à quel point les travaux ont progressé. Mais what? De quels travaux parle-t-il? Les Misérables. Comment ont-ils fait à mon cher sous-marin? Exploration 1. Impossible. Aurait-il après le Pokémon ancestral qui dort au fond de l'océan? David LP, pardonne-moi, j'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne soit utilisé pour répandre la désolation sur le monde. Les Toussimons se rendent dans leur planque à Nénucrique pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. David, j'ai un service à te demander. Peux-tu me donner un coup de main? Je m'y attendais, franchement, je m'y attendais. Hein. Je peux te conduire jusqu'à Nénucrique où se situe la planque de ces gueudes. En échange à ce que tes Pokémon et toi pouvaient mettre un terme aux ambitions de ces scélérats, je refuse de les voir utiliser le sous-marin à des fins maléfiques. Oui. Merci, vive, vite, embarquons sur le champ. What the fuck? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié la mer. Je sais pas ce qu'il... J'ai pas compris ce qu'il a fait. Ok, alors il n'y a pas eu de bateau, il n'y a rien eu. C'est une grande énigme comment on a traversé l'eau. On arrive à Nénucrique, la planque des gredins qui ont volé le sous-marin se trouve quelque part en ville. David, je compte sur toi, je retourne au quai de pauvre sel pour poursuivre les réparations. Oh, ok, fais ce que tu veux, c'est ta vie. Alors... Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un distributeur. J'adore aller au distributeur. Alors moi, je voudrais un bounty. Ça la cool. D'accord. Y a pas de bounty. Ah. Ok. Non, on va pas acheter autre chose. Hein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sympa. Donc les amis, on va découvrir une nouvelle ville d'ailleurs. Puisqu'on est de retour en Nénucrique. Mais bon. Leur planque. Bah attendez, non mais attendez. C'est une blague ou quoi? Leur planque est dans la grotte quoi, faut arrêter quoi, enfin. Ça va pas dans la grotte par contre, c'est chelou. Ouais, ce serait bien qu'on se fasse un autre petit concours Pokémon les amis, pourquoi pas, écoutez. Hein. Après, bah dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se refasse un petit concours Pokémon. Ça ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et alors moi je dis, les amis. Eh oui, les amis, je vous appelle les amis. Que peut-être qu'on va aller se chercher Carvana avant de rentrer dans cette grotte. Ou on y va directement après la grotte. Bon, allez. J'hésite. Mais moi, j'ai vraiment envie de découvrir leur sous-marin. Bon, allez, franchement, on va voir la grotte. Et puis, on se fait ça après la grotte. Ok? Vous êtes ok? Vous êtes ok, hein? Allez, c'est parti. Donc, Dunkazia, ça devrait être par là. Toujours les Wellmer. Oh, non, mais... Ah, mais... Ah, peut-être qu'à la place d'un Wellmer, si on se mettait à la place d'un Carvana, si on se mettait un Welland. Il y a quoi ici? Qu'est-ce que ça va être? Ah, mais si, mais oui, je sais, Tentacool. Tentacool. Mauvais Tenta. Par contre, il est niveau 25. Je sais pas combien il est le nôtre. On va aller voir ça de suite, les amis. J'ai envie de savoir. Ouh, petite caméra qui bouge. Pépé, pareil de bouger la caméra. Ok, Pokémon. Pokémon. Tentacool, niveau 21. Bon, ça passe. Ouais, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir un Carvana, les amis. Ah bah voilà, le chemin est libéré. Ouh, la musique. Vous écoutez ça? Mais qui s'ambiance sur une musique de Pokémon. Stylé. Alors, oulala, d'accord, c'est un petit labyrinthe ici. D'accord, je connais ce type de truc. La base quoi. Ok, on s'envole. Il y avait un haut à droite, j'ai vu les amis, il n'y a pas de soucis. Oh 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 oh. Il y en a partout. Bon écoutez les amis, on va tous se le faire. Je pense qu'on va rester un petit moment ici quand même. Hein. Ça a XP nos pokés, ça peut pas faire du mal. Donc tous ceux qui ont pris un gobo au début du jeu doivent se faire vraiment plaisir ici. Franchement avec un Agroon, tu dois en dégommer de la team Magma. Hein. Allez attaque, double pied motherfucker. Ouais, y a pas d'inquiétude. Aucune inquiétude à se faire, les amis. Tentacool monte au niveau 22. Il va prendre quoi, lui? Ouh, ça peut être bien. Ça peut être bien. Il va quoi, surf constriction. Moi, ça me dit rien du tout, ça. Constriction, bop.
Il apprend Bombacite, ça c'est vraiment stylé, j'aime bien. Là, il envoie un Smogomon, on va garder notre Poké, on va garder notre petit Poké. Parce qu'en fait, j'ai pas d'autres Pokémon aussi efficaces contre la Team Magma avec leurs Pokémon, donc c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Gradiena, Smogo, Chamallow, Camerupt, bon, ok, mais bon. Ah, j'aime pas ça. Oh yes, je suis pas empoisonné, super. Super, Adrien. Et deuxième Pokémon mort, il y en reste plus qu'un. Ah, c'est... ah non, ça explose très peu en fait. Ah non, il en reste plus du tout. Super. Donc écoutez les amis, je sais pas si on va tous se les faire en fait. Hein. Alors, là-bas, il y a les escaliers. Lui, est-ce que c'est un dresseur? Ouais. Oh, un ami du louche en vue. Donc on va tous, on va se faire l'attention de toute cette salle et puis après on va tracer un petit peu. Parce que là, on va toujours affronter les mêmes Pokémon. Voilà, c'est... franchement. Non, non, franchement, ça vaut pas le coup. Franchement, moi qui aime bien faire durer un petit peu ce... non, non, franchement, ça vaut pas le coup. Les amis, là, ça vaut pas le coup, hein. Alors. Ouh là 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 là. Ouh, ça fait mal, ça. Oh, puis mes cheveux aussi font mal, mon Dieu. Les amis. Ok. Il envoie un Chamallow. Bah non, on va rester sur un double pied. Et après, si on a le temps, ouais, j'espère qu'on va avoir le temps. Et si on n'a pas le temps, là... promis, au début de l'épisode 20, je ferai directement recommencer. Oui, à l'endroit des Carvanettes, puis on s'en capturera un petit, les amis, pourquoi pas. Hein. Allez. Voilà, oui. Vous avez battu bien dans la Team Magma. Oh, oh, j'ai perdu. Oui, effectivement. Belle conclusion, belle constatation. Et à ton tour, Rumbo. Hein? Qu'est-ce qu'il a, lui? Tous les matins, tous les membres de la Team Magma se réunissent ici pour écouter les discours de notre chef Max, tous les matins, sans exception. Y'a quoi la télé? D'accord. Mais à ce qu'on m'a dit aussi, c'est que si je cherche bien, il y a une Master Ball qui est cachée. Quand elle est sortie. Là-bas, il y a un scientifique. Ouais. Elle me regarde. Comme tu me vois maintenant, je suis en train de tester ma résistance à la soif. Putain, mais... ils sont tarés. Ah, on va se prendre un petit peu de limonade. Une petite limonade, ça fait plaisir. C'est pour moi. C'est pour moi, les amis. Écoutez, ouais. Non, attendez. Je vous donne déjà assez d'argent comme ça. Team Magma, vous allez pas me piquer tout mon fric dans un distributeur. Hein. C'est bien comment les dresseurs ils vous regardent comme ça. Les dalles transférées, c'est la fierté et la réussite de notre planque. Je suis pas du tout déboussolé. Hein. Je vais tomber au pif dessus. Tintin. Qu'est-ce qu'elle va nous envoyer, elle? Gradiena, ouais, bah ouais. Hein. Ah, une nouvelle fois, ça me refait penser aux cartes de la Team Magma. Ça fait tellement plaisir. Ah là là, les holos, les petites rivers et tout. Ah là 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 là, le bon vieux temps. Ah là là. Mais là, bon, le bon vieux temps, mais XY s'améliore de plus en plus. Bon, au début, je l'ai pas trop emballé, mais là, XY5, ça envoie vraiment du lourd. Donc, moi, ça me plaît. Bon, pas autant que le Blockex, mais bon. Peut-être qu'on va réussir à revenir dans cette ère-là, je sais pas. Plus l'ère D5 qu'autre chose, mais bon. Allez, on en finit avec toi, petit Gradiena. Enfin, niveau 37 quand même. Hein. Ouais, quand même. Quand même. À retenir. Mm-hmm. Ce n'est pas rien, niveau 37. Hein. Ta-na-na. Ok. Donc là, il y a un petit scientifique. Bon, si on a trouvé du premier coup, c'est vraiment pas drôle, par contre. Hein. Hello? La météorite, l'énergie de la nature, les Pokémon ancestraux. Ici, nous tentons de percer le mystère qui lie ces trois éléments dans le but de concevoir une gemme rouge artificielle. Mais nous sommes encore loin d'y parvenir. S'agirait-il d'un problème trop compliqué pour l'homme? Je peux pas la prendre, c'est la météorite, comme ça, me barrer avec. Non. Bon, bah d'accord. Écoutez, les amis, il y a plein de chemins qui s'offrent à nous. Écoutez, on va passer par là. Là, c'est un peu le labyrinthe, quoi. C'est... Un autre scientifique? Oh! Ah, j'espère que c'est la Master Ball. Allez. Feu bleu. Ah, mais apparemment, elle est très difficile à trouver. Hein. Apparemment, elle est très difficile à trouver. Oh, c'est quoi ça? Le scaphandre Magma est un bijou de technologie issu de la collaboration entre Devon et la Team Magma. Tout ceci, nous le devons à Kelvin, c'est l'ancien employé de la société Devon. Ah ouais? Stylé! Elle est grave stylée, les amis! Waouh! Bon, on va passer par là. Parce que je suis tenté. Écoutez, je suis tenté. Très intéressant ce passage, très intéressant. D'accord.
Dafuck. Distributeur? Dans des magazines. Mais pourquoi? C'est quoi cet endroit là? Je suis arrivé dans la chambre de... Oh là 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 là, la paperasse qu'il y a sur son bureau. Bon les amis, écoutez, on va revenir en arrière. C'était une grosse arnaque ici. Oh là là. Quelle arnaque. Alors, écoutez, est-ce qu'il y avait... Non. Ici, attendez, on vient d'où là? Je commence déjà à être perdu. Hello? Si tu veux connaître le secret de notre plan, tu dois d'abord me battre. Bon, bah c'est pas là alors, hein. Bon voilà. Mais, ah, j'aimerais bien trouver la Master Ball. J'espère que vous m'avez pas raconté de bêtises, les amis, mais je crois vraiment qu'il y a la Master Ball hein, dans leur plan. Hein. Nosferalto. Parce que sinon, en fait, on n'a pas de Master Ball dans le jeu, il me semble. Ouais, on a aucune Master Ball sinon. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, je me suis pas spoil le jeu. Le seul let's play que je regarde, les amis, c'est celui-là de Sifano qui fait un Nuzlocke. Et c'est sur Saphir. Mais il avance pas très vite, il est au deuxième badge, donc du coup, voilà, je me spoil rien du tout. Et voilà. Un Nosferalto moment comme ça, ca, comme ça, bim. Voilà, 1200 XP, toi t'as coup il va passer un niveau, oui voilà, je l'avais anticipé, voilà, niveau 23. Arrête de mettre ton coup dans l'air. Qu'est-ce qu'ils ont à mettre leur coup dans l'air comme ça fait mal en plus. Oh là là. Tatin, et bim. Ok. Bon j'enchaîne, allez c'est parti. Ouf. Da fuck. Fuck off. Il y a un problème là. Attendez. Il y a un souci là. Il y a clairement un gros souci. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais what? What? Mais comment on fait pour passer là? Je suis complètement perdu les amis. Perdu. Oh bah attends, c'est bon, moi je rentre hein. Non, apparemment, on peut pas passer, je vais plus essayer là, c'est bon. Attends, je vais commencer à devenir fou à passer là-dedans. Ok, bon, là, tout est esquivé, voilà. Non, mais attendez. Waouh! On a trouvé? Waouh! Oh, le sous-marin en forme de camérupt, quoi! Trop stylé! Dar! Puis moi, j'en profite pour aller sur le PC, tu sais, le mec, c'est un geek, c'est bon, je joue à Dofus, moi. Waouh, c'est stylé. Bon allez, salut Rambo, ça va? Eh ben dis donc, tu en as mis du temps. Allo combat que ça saute. Alors franchement les amis, je pense que j'aurais pu mettre beaucoup plus de temps que ça. J'ai vraiment eu pas mal de chance. Franchement je suis assez content, mais je pense qu'après... Ah j'ai envie de fouiller un petit peu. Je sais pas, déjà si je vais avoir le temps de finir l'épisode avec tout ça. Mais avoir le temps de finir tout ça avant la fin de l'épisode. Mais bon voilà quoi. Allez double P sur ton petit chamachamalo. C'est vrai, franchement, c'est la meilleure génération, on va pas se le cacher. Hein. Tous les Pokémon étaient stylés, franchement, quand je repense à Chamallow, Camerupt, Galegon, Galeking... Ah, tout ça, c'est des Pokémon emblématiques, quoi. C'est des Pokémon qu'on ne verra jamais, quoi. Mais bon, après, voilà, ce n'est que mon avis. Y'a quoi là-dessous? On peut passer ou pas? Non? Bon, ok, c'est pas grave. Oh! Bon, bah, je vais passer. Oh, encore toi! Attends, c'est la première fois qu'on se rencontre. Peu importe, tu m'insupportes, prépare-toi là. Les quintuplés ne font pas de quartier. The fuck? What the fuck? Les amis, c'est épique. Ah, c'est même pas combat 5 contre 5, ça me paraissait bizarre. Oh, ça va être pitoyable. On va les écraser. Mais c'est quoi, c'est quiche? Ah, mais peut-être qu'on va prendre... je vais me tenter quelque chose, les amis. Écoutez, j'ai envie de prendre Pika Surprise. Peut-être que ça peut être intéressant.
Non, non, mais oui, non, mais attendez. Pika surprise aurait pu peut-être faire une attaque groupée. Ah ouais, mais les amis, ça va faire pas mal. Ça va faire perdre pas mal de temps. On va plus, je sais pas si. Ok, on va mettre Pika surprise. Ah, allez, alors, les amis. S'il leur envoyait Pika. Vas-y, vas-y, mon pote. Stop, on bouge plus, on bouge plus. C'était un miracle. Ouais, on va la mettre ici, ça va tuer tout le monde. Oh, le... Oh, la chance de ouf. La chance de ouf, les amis. Oh, c'est trop d'art. Ouais. Oh, c'est génial. Oh là là. Il met pas le bon Pokémon, lui. Il change le Pokémon, mais Pika surprise. Oh, c'est épique. Oh, c'est épique. Oh, les amis. Oh, un pouce vert pour ça. Oh là là. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. C'est un truc de ouf. Non, non, alors là, franchement, alors là, je suis au summum de ma chance, les amis, c'est un truc de ouf. Ah, j'espère que vous avez bien aimé ce moment-là. Oh là là, ah, c'est épique, ça. Franchement, c'est énorme. Non, je suis parti où, là? Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est Ashley, ça. Oufou, je savais que tu viendrais. Oufou. Bah, ouais. Apparemment, ouais. Non, c'est pas Ashley. Oh, j'en sais rien. Mais c'est dommage, les modifications sont terminées, c'est stylé! Waouh! Regarde cette foreuse, c'est magnifique! Avec ça, le saut de la carrière de fond de mer ne sera plus un problème. Il ne me reste plus qu'une chose à faire: t'arrêter et laisser le temps à Max de s'échapper. Mais pour le moment, tout ce que je veux, c'est un vrai combat. Sans merci, avec toi. Je veux te connaître davantage, ouf fou! Ah, vas-y, on a Kung Fu Panda 3. Hein. Kung Fu Panda 3, le retour d'Ashley contre Po. Ok, envoie ton Camerupt. Et oui, c'est sûr. Ah mais franchement le combat d'avant quoi, c'était énorme les amis. Franchement c'est un truc de fou. C'est vraiment épique genre. C'est épique, franchement moi je trouve ça épique. Franchement waouh. Là c'est incroyable quoi. C'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable les amis, je trouve ça incroyable moi. Ah je vais pas m'en remettre. Ah ça va rester gravé dans ma mémoire ça. Ah c'est énorme. C'est énorme. Alors, ouh ça fait pas mal de dégâts hein. Oh oui une deuxième attaque suffira, c'est bon. Qu'est-ce qui me fait malédiction, lui? Ouais, ouais, si tu veux. Moi, de toute façon, j'ai turbo, donc du coup, plus de vitesse, plus de vitesse, Hisham Bolt. Ok, double pied, et on en a fini avec toi, tu sers à rien. Et me dis pas qu'il a eu le temps de se barrer, l'autre. Hein. Parce que là, ça a duré 5 secondes. Le temps déjà d'allumer les moteurs, ça prend déjà 10 minutes. Hein. Et on passe au niveau 49, bientôt 50, les amis, bientôt 50. Ouais. Pika surprise monte au niveau 40, ça suit, ça suit. Et on monte au niveau 42, ouais. Petite tête monte au niveau 42. Ah, c'est Courtney, pas Ashley. Courtney, voilà. Ah ah ah, gnagna, ah ah. Ok. Super parole. Ah non, il est pas parti, heureusement. Max. Lol. Gros lol. Non, sans déconner, c'est une blague ou quoi? Va changer le monde, mission accomplie, Max est en route, il agit bien pour l'humanité, pour réaliser notre rêve, ouais, comme je suis d'humeur, j'essaie de te donner un indice sur la suite des événements. Au large de Ninukrik, tu veux un autre indice? Un fou, la ville au bord de mer, les villes en bord de mer, ce n'est pas ce qui manque par ici. Mais c'est une blague sans déconner, ils te disent où faut aller, bon là-bas c'est peut-être la sortie, non? Voilà, mais les amis, il nous reste encore un peu de temps devant nous, Non, mais attendez, si on serait passé directement par là. Ah non. Pépite, ok, parce que alors là, franchement, j'aurais pété un game. Ok, j'ai envie de passer encore un peu plus de temps là-dedans. Qu'est-ce qui fait, c'est un dresseur ça? Ah, non, c'est pas un dresseur. Non, non, non. Ok, super. J'ai envie de vraiment trouver cette Master Ball. Et si je la trouve pas, écoutez, les amis, dites-moi en commentaire où est-elle. S'il y en a une vraiment ou pas. Parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais on m'a dit vraiment que si je cherchais bien, il y en avait une quoi. Voilà, j'avais pas pris ça l'autre fois. Bon, ouh, c'est un dortoir ici. Ok, donc là, il y a un dresseur. Alors là-bas, il y a une Pokéball. Guérison. C'est pas ce qu'on recherche exactement, les amis. Donc là, ça doit être le dortoir, l'endroit pour bouffer. Il y a longtemps notre chef Max Arthur, le boss de la team Aqua, faisait... Ouais, 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 d'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, les amis, je vais... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Sniff, sniff, très bien, les analyses offertes de ce livre sont terminées. What the fuck? What the fuck? Bon, les amis, on va essayer de faire toutes les combinaisons possibles. Écoutez, ça va se terminer comme ça.
Ouais, là-bas, on n'avait pas testé. Donc, on va tester tout de suite. Alors, un autre truc là-bas, ok. Oui, d'accord, les machins stratégiques. Oh. Aïe, c'est pas ça que je recherche. Est-ce que je peux utiliser le cherche-objet ici? Parce qu'apparemment, elle est vraiment bien cachée, les amis. Hein. Bon, je pense pas qu'on peut utiliser le cherche-objet, mais je vais quand même essayer, on sait jamais. Voilà. Oui. Je m'en doutais un petit peu. Oh là là là. Non, mais stop. Non, stop. Je veux juste la Master Ball. Je vais pas en apprendre plus sur vous. Vous me faites déjà. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est peut-être un indice sur les futurs jeux ou un secret ou je sais pas quoi. Non, mais plus sérieusement, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, si, mais pour vous, non, je pense pas, quoi. J'ai vraiment envie de trouver la Master Ball, mais bon. Est-ce qu'on était passé par ici? Non. Si, il me semble que si, mais dans l'autre sens. Oh. Vibre obscur. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal, Vibre obscur. Bon, écoutez, les amis, on va se laisser à 38 minutes, je pense, vous allez se plaire, 37 minutes. Parce que, bon, voilà, j'ai pas envie que ça s'éternise non plus, il y aura d'autres épisodes, bien sûr, hein. Mais bon, j'étais vraiment bien parti pour la trouver, là. J'avais vraiment envie de la trouver. Ah là 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 là. Mais où ça peut être? Mais où ça peut être? Là, après, on va aller là-bas. Il va y avoir un autre scientifique. Et là, on n'avait pas tout essayé non plus. Donc, là-bas, c'était là-bas qu'il fallait aller. Là, on va aller à droite. Je sais plus si on était parti à droite ou à gauche. Non, pas ici, je crois. Est-ce qu'on est arrivé par ici? Allez. Ah là 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 là. Mais en fait, il n'y a pas la Master Ball, je crois. Je suis pas sûr, mais... Ah, ça me paraît très bizarre que je l'esquive comme ça. Ou ça, c'est vraiment alors un chemin impossible, quoi, mais... Il me semble que j'ai tout fait, là. Non, je n'ai pas... Ah, on peut pas passer. Frapper à fond, écraser à fond. Ok, mais on peut pas passer, quoi. Y a rien à faire. Dommage. Là-bas, je suis sûr qu'on est déjà parti là-bas. Hein. J'en suis sûr. Hein. Je vais retester, mais... Mais oui, là-bas, ça va être... la chambre de l'autre, là. Bon, à moins qu'il y ait un truc qui est apparu, quoi, mais... Non. Ah là 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 là. Ça se trouve, je perds mon temps pour rien, j'en sais rien du tout, mais il me semble que, et plus ça, personne ne m'a dit ça quand même. Hein. Aïe, je crois que j'ai tout testé, j'ai testé toutes les combinaisons. En fait, c'est pas énorme leur planque, hein. On pourrait s'attendre à un grand labyrinthe, mais non. Alors là, il y avait ça. Ça, je crois que ça menait à rien du tout, hein. Ah, si, à ce fameux endroit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh! Alléluia! On est passé, quoi. Oh là là. Ok, est-ce que si je vais par là, ça fait un truc. Non! C'est une blague ou quoi? Oh non, quoi. Non, c'est abusé. Non. Oui! Super! Un nouvel endroit. Ok, super. Voilà, alors là, il y a 4 Pokéballs. Oh, c'est pas vrai. Oh non. C'est quoi? Oh! Un électrode. Ok, donc les amis, je crois que j'ai trouvé un très bon endroit dans le jeu. Ouais, super. Non, mais j'ai pas envie de le battre, par contre. Non. Franchement, non. J'ai envie de tracer, là. J'ai envie de savoir s'il y a vraiment la Master Ball. Master Ball! Oh my god! Oh my god, je l'ai trouvé! Non! C'est pas possible, non! Oh les amis, non! Mon dieu! Ce truc de ouf, les amis! Oh my god! Yes! Ah super! Ah, je sais qu'il y en a plein qui ont fait ça, qui m'ont dit qu'ils l'avaient pas trouvé! Ah, c'est trop cool! Yes! Yes! Oh my god, super!
Oh yes, trop content. Oh non, c'est un truc de ouf. Oh, je suis trop content. Allez, on va terminer avec ce électrode. Oh yes, les amis, ça va les coups. Franchement, ça va les coups. Yes, super. Oh, c'est génial. Comme ça, je vous ai donné la solution pour avoir la Master Ball. Oh, c'est génial. Ou par contre, on va prendre cher là. Oh non, ça va, franchement ça passe. Et puis lui, bah, il va mourir du coup. Oh super les amis, super, super, génial, génial, je suis trop content. Ah, je suis trop content. Mettons que passe au niveau 43, tant à coup passe au niveau 24, ok, super. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial les amis, c'est génial. C'est mortel. Yes, 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 super. Super, 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 super. C'est génial. Alors là les amis, là ça a tout pété là. Est-ce qu'on peut utiliser une corde de sortie? Ah les amis. Ah les amis, c'est trop bien. Ah non, 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 mais là les amis, ça pète tout. Corde de sortie, je dois en avoir une parce que je l'ai eu dans la maison des combats, il me semble. Dans la maison des pièges. Oh la Master Ball, attendez, on va la voir un petit peu. Oh là là, yes, super, 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 super. Ah c'est génial. Ah c'est génial. Ah, on peut pas essayer la corde de sortie. Ah les amis, oh c'est pas possible quoi. Ah c'est super. Oh là, je suis trop content. Je sais pas si c'est un truc de ouf, mais je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas eu. On m'avait dit ouais, nanana. Tu peux la trouver, je sais pas où. Fais ça, fais ça. Ah ouais, non, mais là c'est super cool quoi. Ah ouais, non, 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 mais là ça pète tout les amis. Là ça pète tout. Du coup, bah super, j'ai retrouvé l'endroit pour sortir d'ici. Écoute, oh oh oh, il y a un truc ici, super, j'avais pas vu tout à l'heure. Rappel max, super, c'est cool parce que ça vaut pas mal de thunes ça dans le jeu. Écoutez les amis, on va sortir d'ici puis je vais vous laisser, ça fait un très grand épisode. Mais ça va aller le coup, la Master Ball les amis, super. Mais je suis trop content quoi. C'est un truc de ouf. Pour moi c'est un truc de ouf d'avoir la Master Ball quoi. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas eu. Super, c'est génial et puis on se barre d'ici. Voilà. Voilà, bam. Et puis les amis, on va sortir de la grotte et on va se laisser sur la plage. Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah c'est super. Ah ouais non mais là franchement c'est nickel. Un épisode clean, pro comme ça, kkk. Super. En plus la Master Ball quoi, ça rappelle plein de trucs. Écoutez les amis, voilà. C'est la fin de l'épisode 19. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le tourner avec la Master Ball et tout. C'était super cool, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers un commentaire les amis. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Allez bye bye.